Nouveau rebondissement dans l'affaire MHD. L'enquête se poursuit pour déterminer si le jeune rappeur français est impliqué ou non dans le meurtre de Loïc, un jeune homme décédé après avoir été violemment agressé en pleine rue à Paris par une bande en juillet dernier. Selon les informations du Parisien publiées ce mercredi 30 janvier 2019, plusieurs éléments pourraient prouver que le chanteur de 24 ans faisait bel et bien partie des agresseurs. L'attaque serait la conséquence dramatique d'une rixe entre deux bandes du nord-est de Paris, même si la victime n'était pas directement ciblée selon une source de l'enquête. Parmi les agresseurs présumés, il y aurait un certain Binka et son frère, un footballeur professionnel proche de MHD. Loïc et ses amis ont été attaqués au total par 10 personnes, 7 à pied et 3 dans la Mercedes utilisée lors de l'agression et qui appartient au rappeur. Seule victime à déplorer, le jeune homme de 23 ans a été frappé à coups de poing, de bat de baseball et poignardé à de multiples reprises avant d'être laissé pour mort sur la chaussée. Il est décédé avant que les pompiers n'arrivent. Comme le révèlent nos confrères, une vidéo amateur ainsi que celle d'un restaurant près de la scène du crime ont filmé l'agression. L'individu soupçonné par la police d'être MHD apparaît lors de sa sortie de la Mercedes, puis lorsqu'il frappe Loïc à la tête et prend la fuite à pied, à défaut d'avoir pu remonter dans le véhicule déjà rempli par ses acolytes. Les cheveux teintés en blond et un survêtement Puma non commercialisé, et seulement porté par les ambassadeurs de la marque dont fait partie l'interprète, auraient permis à la police d'identifier l'individu comme étant le rappeur français. Des témoins de l'attaque l'auraient même reconnu. Après avoir été interpellé le 15 janvier, MHD a été mis en examen pour homicide volontaire, tandis que 4 autres personnes sont également poursuivies. Mohamed Silla, de son vrai nom, est en détention provisoire depuis le 17 janvier. Même s'il a confirmé avoir été à Paris, le soir du passage à tabac, il n'y avoir pris part, ni même avoir été présent sur les lieux. Pour ce qui est de sa voiture, il explique la mettre à disposition de tout le monde dans la cité des Chauffourniers. Elle a été retrouvée brûlée le lendemain matin de l'attaque. En ce qui concerne ses cheveux et son survêtement, il a expliqué « On est plus de 20 à la cité à avoir une teinture blonde. Je reçois plusieurs colis de vêtements, nœuds de la rédaction chaque semaine et ça, m'arrive de distribuer aux gens. » À ce stade de l'enquête, la police ne dispose pas de preuves scientifiques ou techniques prouvant l'implication du rappeur.